bienvenue à une autre capsule de M. Bourdeau, la dernière officielle. Pourquoi je tape dans les mains, je ne sais pas trop, mais la dernière officielle section capsule des fonctions sinus 1. La théorie, elle est terminée pour la fonction sinus 1. Mais là, plusieurs me demandent, j'imagine, dans votre tête, mais à quoi ça sert d'apprendre tout ça, la fonction sinus 1? Pour vrai, si j'étais avec vous dans la classe, on aurait fait plein d'expériences. J'aurais montré réellement à quoi ça sert, exemple, d'étudier la fonction sinus 1. Mais là, à cause du cadre de 8 pieds de large que j'ai, mais ça me limite un petit peu dans mes expériences à faire avec vous. Donc, voici un exemple d'application. Puis là-dedans, on va répondre à une question, c'est-à-dire à quoi servent la trouvaille des zéros réellement dans un contexte de la vraie vie réelle. Là, évidemment, vous demandez quel contexte il va bien prendre. Va-t-il nous surprendre? Et oui, je vais vous surprendre. J'ai repris mon fameux exemple de mon pendule pour vous expliquer à quoi sert réellement la trouvaille des zéros. Voici mon exemple d'application. J'ai revu sur mon pendule parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus cyclique et répétitif qu'un pendule qui oscille vers l'est, vers l'ouest, vers l'est, vers l'ouest indéfiniment. Voici un pendule magique. Ce pendule va osciller du point de repos toujours aussi loin de l'ouest qu'à l'est. Donc, honnêtement, il ne va jamais s'arrêter de scier comme un pendule d'une horloge, dis-je bien. C'est-à-dire, il va toujours être aussi loin du point de repos à l'est, de l'ouest, de l'est, de l'ouest. Dans la vraie vie, la force de frottement de l'air viendrait l'arrêter pour qu'il s'éteigne à son point de repos. Mais dans mon exemple à moi, pendule d'une horloge, aussi loin du point de repos à l'est, de l'ouest, ainsi de suite. Retenez bien ceci. Pour répondre à la grande question, c'est-à-dire à quoi ça sert de trouver les zéros, on va trouver ensemble tous les moments où ce pendule va franchir le point de repos. Tous ces moments seront arrêtés, les zéros à obtenir. Donc, tous les moments où le pendule atteint la verticale, donc du point de repos lorsqu'il oscille. Pour ce faire, je vais juste me servir de deux indices, c'est-à-dire premier indice, la période qui est le temps d'un aller-retour, dans mon exemple à moi, sera 2 secondes. Donc, ça prend 2 secondes de faire un aller et un retour. Période, je vous donne un 1000, 2 secondes. L'autre aussi, indice, va être la distance la plus éloignée de mon point de repos, sera de 5 unités. Donc, il sera aussi loin à l'ouest du point de repos, 5 unités, qui sera aussi loin du point de repos à l'est, également 5 unités. Là, je parle de la distance la plus éloignée du point de repos. Donc, 5 est, 5 unités ouest. Voici mes deux indices. Distance point de repos, 5. Et également, période de 2 secondes. Je vais écrire ces indices à l'instant au tableau. Donc, voici mes indices. Le temps d'un aller-retour. Donc, ma période est de 2 secondes. Par après, bien sûr, la distance de ma balle au point de repos était aussi loin à l'ouest qu'à l'est. 5, donc, unités. Donc, voici mes deux indices. Je vous rappelle, le but, c'est de trouver tout le moment où la balle franchit le point de repos. Donc, vous allez voir que ceci va être de trouver les zéros dans quelques minutes. Mais avant, pour trouver tous les zéros, tous les temps où la balle, le pendule, atteint son point de repos, ça me prend un graphique. Comment voulez-vous trouver les zéros d'une fonction si vous n'avez pas de fonction? Donc, pour avoir la fonction, sans faire l'esquisse, il faut par après trouver la règle de l'esquisse. Trouver donc, tracer plutôt l'esquisse, c'est un jeu d'enfant. Au départ, on se dit, au temps zéro, la balle est où? Mais elle est à 5 unités, c'est point de repos. Donc, au temps zéro, 5 unités, c'est point de repos. Donc, la distance de la balle, c'est point de repos, au temps zéro de X, bien sûr ici 0 de X, est à bien sûr ici à 5 unités. Donc, par après, je pars. Le temps, il décolle, bien sûr, ici en secondes. Donc, je pars à 5. Là, la balle, qui est à 5 unités, c'est point de repos, mais elle va aller vers le point de repos pour traverser le point de repos, pour retourner à aussi 5, mais à l'est du point de repos. Le côté est du point de repos, c'est comme pour moi, moi moins 5. Si vous le souvenez bien, dans une capsule vraiment auparavant, on avait traité de ceci ensemble. Par après, le pendule revient au point de repos. Donc, je crée ici une ondulation qui revient à 0 mètre du point de repos. Et bien sûr, je vais retourner à 5 mètres, je dis 5 mètres, 5 unités, j'aurais dire, du point de repos.
voici un aller-retour. Je pourrais créer d'autres allers-retours. En voici un autre aller. Et voici un retour. Donc, tant bien que mal, voici l'esquisse à relever ainsi tracé rapidement. Donc, le but ensemble est de trouver la règle pour réviser ensemble de ce dessin ici. On y va en instant ensemble. Oui, je sais, vous vous dites, ah, le petit maudit a recommencé son graphique. Et évidemment, je suis trop orgueilleux pour vous laisser tantôt avec votre appétit de l'ancien graphique qui n'était pas assez bien fait à mes yeux. Donc, c'est ça la magie de la télévision. J'ai pu reprendre, moi, mon graphique pour le rendre plus clair. Donc, je le résume. Voici l'ondulation d'un pendule qui oscille en fonction du temps. Sur le premier indice, la distance point de repos était de 5 unités. D'où j'étais à 5 à l'ouest de mon point de repos et à 5 à l'est de mon point de repos, donc d'où désigne ici le moins 5. Et bien sûr, notre grand objectif va de trouver tous les temps où le pendule est allé frapper la verticale, le point de repos. Donc, trouver tous ces temps où le pendule est allé au point de repos. Pour ce faire, ça va trouver tantôt les zéros de ma fonction sinus. Par contre, pour trouver les zéros d'une fonction, ça me prend ma fonction. C'est-à-dire, j'ai le dessin, mais j'ai pas sa règle. Si vous marquez bien, j'ai des indices point de vue Y, j'ai aucun indice à date du moins point de vue axe des X. Car je n'ai pas sollicité un de mes indices, c'est-à-dire le temps de l'aller-retour qui était pour moi tantôt 2 secondes, qui était pour moi aussi dire la période. Donc, je résume d'où sort le 2 secondes, mais dans le graphique. Le temps de l'aller-retour. Je pars au temps 0, je fais un aller et un retour. C'est ça qui était pour moi ma période de 2 secondes. Je crée un autre aller-retour, donc j'ai une autre période d'aussi 4 secondes. Donc, grâce à ces 2 et 4, je peux obtenir plein d'autres X aussi. Bien sûr, je pourrais partir également d'un aller. Si ça prend 2 secondes de faire un aller-retour, pour faire un aller, ça me prend bien sûr la moitié moins de temps, 1 seconde. Et bien sûr, si ça me prend 1 seconde de faire un aller, le demi d'un aller va me prendre bien sûr ben, la moitié d'une seconde, c'est-à-dire 0,5 secondes. Et bien sûr, si j'ai 0,5 secondes de faire la demi d'un aller, bien sûr ici, par le même principe, j'aurai ce X qui est 1,5 secondes. Donc toujours 0,5 secondes à chaque quart d'aller-retour, autrement dit. Ainsi de suite. Je vais les tracer à l'instant le long de la des X à travers tous les autres. C'est-à-dire ici, entre 2 et 4, j'ai clairement ici 3. Entre 2 et 3, j'ai clairement ici 2,5. Je vais écrire finement 2,5. Et entre 3 et 4, j'ai bien sûr ici mais mon fameux 3,5 secondes. Donc, ayant trouvé plein d'X, ça va me guider à trouver sa règle. On y va ensemble directement là. Pour trouver la règle des fonctions sinus, au départ, je me mets dans le mille, il faut cibler un cycle. Soit un cycle montagne trou, un cycle usuel, ou un cycle un peu plus frivole, le cycle inversé de sens, trou montagne. Pour moi, je pense que le premier cycle que je vois d'un sinus à gauche. Un sin ne part pas au maximum de la fonction. Il part ici, mettons, au milieu, si on peut dire en Y, entre le max et le min. Donc moi, je prends de ce que je vois le premier à ma gauche, ça va être le cycle suivant, trop montagne. Je partirai d'ici à 0,50 pour faire trop montagne, car c'est le premier sinus que je vois instracé dans ma fonction du premier cadran ici. Pour le corroborer, je vais mettre ici, ciblé en une couleur bleue. Donc voici mon cycle fabuleux, trou montagne bleu. Trouvons donc sa règle. Premièrement, on va trouver H et K. H et K, c'est quoi? C'est le point de départ de mon cycle ainsi choisi. C'est-à-dire le point de départ serait 0,5, 0,5, dis-je mieux, 0. Voici mon point de départ. Donc H, c'est très simple, il vaut 0,5. Et mon K, bien sûr, il vaut clairement, ben je suis sur la des X, donc il vaut nul, 0. Par après, on va trouver le A. Le A est donc juste comme étant l'amplitude, du moins pris positivement. Donc ici, voici ma hauteur complète. Entre moins 5 et 5, j'ai clairement 10. L'amplitude est de ma demi-hauteur, c'est-à-dire entre 0 et moins 5, j'ai 5 unités d'écart. Autant entre 0 et bien sûr le max 5, j'ai aussi 5 unités d'écart. Donc voici mon amplitude pris positivement, ben, c'est la demi-hauteur d'un cycle, c'est-à-dire ici 5 unités.
Voici mon A, amplitude 5. Pour trouver B, seul élément manquant dans ma règle, je mets dans le mille, je vais me servir de la chose qui lui est liée. En X, ma période. Ma période est l'écart d'un cycle, c'est-à-dire l'écart entre 0.5 ainsi que 2.5, j'ai deux d'écart. Évidemment, c'est purement logique. Je l'ai dit tout à l'heure que votre période était de 2 secondes également. Donc, ça ne changera pas ici aussi. Donc, si je connais la période qui est de 2 secondes, je peux, grâce à la formule période égale 2π sur B, trouver B en l'isolant. Là, bien sûr, chose assez évidente, ne fais pas de croisé quand c'est simple comme c'est le cas ici. 2π sur quoi me donne 2 simplifié. Je pense que vous saisissez assez bien que B, ben, il vaut π, car c'est 2π sur π qui donne simplifié 2 ici. Donc, au pire, faites un produit croisé, peu importe, là, en mettant 2 sur 1, 2π fois 1. 2π sur 2 donne juste π pour le B. Donc, le B, il vaut par conséquent, grâce à cette petite formule de la période, mais π. Par contre, comme j'ai pris un cycle inversé, trou montagne, faut que soit le A ou le B soit négatif. Donc, il faut que A et B soient signes contraires. Pour rendre plus propre ma règle, je vais prendre un A négatif, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre un A plus et un B moins. Donc, voici ma règle. C'est la suivante. Je vais l'inscrire ici à l'instant. J'efface ça pour le rendre plus clair. Je l'écris là quand il manque trop d'espace. On se retrouve dans quelques secondes. Donc, quelques secondes plus tard, voici ma règle ainsi trouvée grâce à ce fabuleux graphique. Là, notre but va de trouver les zéros de la fonction suivante, c'est-à-dire trouver tous les temps où le pendule est atteint, à atteint plutôt le point de repos. Car les zéros, c'est sans arrêter mon contexte, je tiens à dire. C'est-à-dire qu'au point de repos, mon pendule est à zéro unité de mon point de repos. Donc, je suis sur l'axe des X, bien sûr, au zéro, donc à tous mes temps au point de repos. Là, on se dit, ben, si vous trouvez des zéros, il est un petit peu sans dessin, le propre. Car je les ai, mes zéros, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ainsi de suite. Donc, je les vois, mes zéros. Mais la beauté de cet exercice, c'est qu'on va les trouver algébriquement pour corroborer qu'ils sont bel et bien bons aussi dans le graphique, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, de mes quatre premiers moments où le pendule a atteint le point de repos ici. Donc, mes zéros qui sont les suivants ici. Donc, c'est pas la beauté du problème, là, c'est que je les ai mes zéros, je le sais, là. Sauf qu'on va les obtenir, point de vue, algébriquement, pour connaître le lien à travers les graphiques, que ces zéros qu'on voit dans le graphique sont bel et bien bons aussi, côté algébrique. On y va à l'instant. Trouvons tous les moments où le pendule est à 0 mètre, 0 unité plutôt du point de repos. Donc, trouvons les zéros. Premier étage, je transfère Y par 0. Le reste reste intact à droite. Moins 5, signe de pi, entre parenthèses, x, moins 0.5. Première étape, on isole le sinus de pi, fois entre parenthèses, x, moins 0.5. Je diviserai à droite et à gauche par moins 5 dans le but d'éliminer A. Par contre, 0 sur moins 5 revient encore ici à 0 à gauche, donc j'aurai 0 là. Mon sinus isolé de pi, fois x, moins 0.5. Comme c'est le cas dans mes autres capsules de la trouvaille des zéros, c'est une question ici qui intervient, qui tue. C'est-à-dire, trouvons que vaut ça. S'arrêter, ce sont des angles. Donc, trouvons les deux angles que vaut cet encadré, que vont les deux angles dont leur sinus est nul. C'est-à-dire, trouvons les angles dont leur hauteur est nulle. Pour me guider, je vais me créer ici un petit cercle trigonométrique à main levée. Donc, trouvons les angles dont leur hauteur est nulle. Hauteur nulle, si je ne monte pas, descends pas. Donc, mes deux angles à hauteur nulle, c'est clairement 0 rad à l'est et bien sûr pi radian à l'ouest. Voici mes deux angles que je vais inscrire ici à l'instant. Donc, j'ai 0 et j'ai pi. Que sont les termes en x égales à ces deux angles à hauteur nulle? C'est clairement pas juste x, mais c'est encadré tel quel, c'est-à-dire pi fois x moins 0.5. Donc, pi fois x moins 0.5 égalera 0. Et pareil pour l'autre, pi fois x moins 0.5 en parenthèse égalera ici pi. Donc, j'ai x à la planche de cette première équation pour trouver mon premier temps, qui sera par magie ce temps. Oui, 0.5. La preuve, je divise par pi à gauche par à droite. Bien sûr, 0 sur pi revient encore à 0. J'aurai ici par conséquent x moins 0.5. Égale toujours 0. Magie. J'isole X, j'obtiens bel et bien
que X à la fin, en faisant plus 0.5 à gauche, par droite, bien sûr, c'est légal, j'aurai que X vaudra le premier temps 0.5 secondes. D'où la beauté de mon problème, tout concorde hyper bien. Premier temps 0.5, autant graphiquement qu'aussi algébriquement. Par après, trouvons le second temps de mon signe ainsi ciblé, trouvons le temps en bleu. Donc ce deuxième moment où le pendule a atteint le point de repos est de 1.5. Et ça va être le cas ici aussi, je vous le garantis. La preuve, ils ont X pour voir que ce X donne bel et bien 1.5. Donc je divise par pi à gauche par droite, j'aurai que X égale, ben tu dis X moins 0.5, pardon, donnera pi sur ce pi 1 simplifié. Magie, j'additionne plus 0.5 à gauche par droite. J'aurai bien sûr X isolé à ma gauche à 1 plus 0.5. C'est malade, 1.5. Voici le deuxième temps où le pendule a atteint son point de repos, c'est-à-dire ici à 1.5 secondes. Donc voici les deux premiers temps où le pendule est allé frapper le point de repos. Donc premier temps, c'était à 0.5 secondes. Plus tard, à 1.5 secondes, il venait frapper le point de repos. Mais là, si je vous demandais de trouver tous les autres moments où le pendule a atteint son point de repos, donc trouver tous les autres zéros après le premier zéro ici. Donc pour obtenir 2.5 à 0.5, tous les autres zéros dans les autres cycles, mais là, je vous mets dans le vide, comme on a vu à outrance dans mes autres capsules, si je vais avancer vers mes autres zéros dans mes autres cycles, faut que j'avance d'une période, et ce indéfiniment. Car je tiens à vous rappeler que cet exemple, c'est comme un pendule d'une horloge qui va toujours osciller indéfiniment. Donc, il y aura plein de moments où il va atteindre le point de repos, même, je dirais, infinité moments, si l'horloge durerait à vie en longévité. Donc, ici, pour avoir tous les zéros généralisés, je n'aurai qu'à faire 0.5 plus, j'écris bien, plus la période, ici N, la période, évidemment, sans faire tout, mettons, le branle-bas de combat un peu, pas intelligemment, la période étant toujours qu'elle a 2pi sur B. Si mon B de ma règle vaut pi, 2pi sur pi, j'aurais bien sûr ici 2 simplifiés. Je pense que vous savez assez bien qu'il y a une demi-heure, on avait la même période aussi comptée contexte, qui était aussi 2 secondes. Donc, d'où ici plus 2n, et ce, dans mes 2 ici, 0 initiaux. Donc, pour obtenir tous les autres moments, les zéros qui suivent, je n'ai qu'à ajouter plus 2 indéfiniment à ces deux premiers temps. La preuve, si n valait 0, faire ici au propre, si n valait 0 unité, ceci disparaîtrait. 2 fois 0 donnerait bien sûr 0. J'aurais mes premiers temps. 0.5 à 0.5. Cycle initial si n valait 0. Donc, mes premiers temps seraient 0.5 ainsi que l'autre plus tard, 1.5. Si je vais voir les autres temps qui suivent, c'est-à-dire dans cet autre cycle trop montant que je n'aurais qu'à faire, plus une période, c'est comme si n valait 1. Donc, si n vaut 1, j'aurais bien sûr ici, si n vaut 1, à ajouter 2 à 0.5 ainsi qu'à 0.5 indépendamment. Donc 0.5 plus 2, si n valeur bien sûr, j'aurais ici, c'est clair, x qui vaudrait 2.5. Le voici, magie incroyable. Si n valeur encore ici, j'aurais ajouté un 2 à 1.5, donc une période de plus loin ici, j'aurais bien sûr l'autre temps, 3.5. Voici ce temps. En voulez-vous d'autres temps qui suivraient à travers les autres trous montagnes? Je n'aurais qu'à remplacer, bien sûr, n par après 2. Donc, si n vaut 2, 2 fois 2, 4, 4 plus 0.5, j'aurais bien sûr l'autre temps, 4.5. Pareil pour lui, si n valait 2, 2 fois 2, 4, 4 plus 1.5, me donnerait, bien sûr, ici, 5.5. Fait que si marquez bien, toujours plus la période, plus 2, plus la période, plus 2, et ce, indéfiniment, pour avoir tous les autres temps qui suivraient ici. Fait que c'est comme ça qu'on trouve tous les temps où le pendule atteignait le point de repos. 0.5, 1.5, et ainsi de suite. Donc j'espère que grâce à ce bel exemple, vous saisissez quand même un peu plus l'importance des fonctions sinus.
Ça, c'est un exemple parmi plein d'exemples. En passant à l'exemple du pendule, ben, j'aurais pu vous offrir plein d'exemples. Un ressort qui oscille en va-et-vient à la verticale ou peu importe. C'est ce qui termine en beauté, je trouve, les fonctions sinus. On se retrouve donc plus tard et je tiens à vous préciser que je m'ennuie tellement de vous. J'espère tellement que c'est ma dernière capsule officielle, qu'on puisse se retrouver de façon vivante ensemble, qu'on ait un bon contact humain, plus qu'avoir un contact de moi tout seul dans mon sous-sol à vous jaser un peu virtuellement parlant. Donc faites attention à vous, on se retrouve donc plus tard.